Salut à tous, c'est Lily. Bienvenue sur ma chaîne et aussi ma vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode d'Instant Confidence. Il s'agit là de vidéos où je vous présente des créations que je réalise accompagnées de récits, d'instants d'intimité mêlés à des histoires purement inventées. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une création que j'ai réalisée pour le challenge de l'Univers Sims. Si vous ne connaissez pas ce forum, je vous mettrai en description le lien du site. Passons maintenant au récit. La festivité de Noël n'a pas toujours fait partie de ma vie. N'étant pas de conviction catholique, j'ai découvert la féerie de Noël avec mon mari. Tout d'abord, j'aimerais vous raconter mon premier Noël. N'ayant jamais cru au Père Noël, ne connaissant pas tous les rituels de la veillée de Noël, mes beaux-parents ont voulu me plonger dans l'ambiance et ils ont tout préparé comme quand mon mari était enfant. Bien évidemment, j'ai joué le jeu. Qui ne rêve pas de retourner l'espace de quelques heures dans son enfance pour un souvenir heureux? Nous avons donc préparé les biscuits de Noël dans la journée. Et le soir venu, nous avons posé un petit sablé et un chocolat chaud près de la cheminée. Nous n'avons bien évidemment pas oublié d'éteindre la cheminée. Puis, on m'a dit qu'il était l'heure d'aller dans les bras de Morphée, sans quoi le Père Noël ne viendrait pas. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un enfant. C'était une nuit magique, féerique, pleine d'excitation, mais aussi de curiosité. Allais-je entendre le traîneau du Père Noël, puis le Père Noël déposer ses cadeaux au pied du sapin? Je me souviens, je m'étais endormie en regardant la neige tomber par la fenêtre. Le lendemain matin, à ma grande surprise, le pied du sapin était rempli de cadeaux et le sablé bien entamé par le Père Noël et une trace de pas juste devant la cheminée. Il était venu! Depuis cette nuit-là, Noël, pour moi, représente des flocons de neige étincelants et des lumières scintillantes, des chants joyeux et des joues roses, des actes de gentillesse et de chaleureux sentiments, flou d'amour, de bonheur et de joie. Chaque année, je me laisse porter par cette magie de Noël. Je suis à chaque fois émerveillée de voir l'amour en action. Chacun apporte à sa manière un peu plus de féerie à cet instant qui est hors du temps. Si vous me demandiez qu'est-ce que Noël, je vous dirais que c'est la tendresse pour le passé, du courage pour le présent et de l'espoir pour l'avenir. J'aime voir l'état d'esprit de ce jour et je crois vraiment que si nous continuons à raconter l'histoire de Noël, à chanter, à partager l'esprit de Noël, nous pouvons, à petite échelle, apporter un peu de bonheur et de joie dans nos cœurs et familles. Surtout en ces temps compliqués où beaucoup sont seuls ou isolés, cette fameuse nuit. Allons fêter Noël ensemble. Joyeux Noël à tous! C'était Instant Confidence avec Lily. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cela me ferait énormément plaisir, de commenter, de liker la vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite. Des bisous. Ciao.